Salut et bienvenue à l'atelier. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de suivre la fabrication d'un tabouret style chalet. Alors, c'est un petit tabouret en épicéa massif qui reproduit un style chalet avec un plateau, avec un cœur sur un cœur découpé sur le plateau et des petites frises traditionnelles tout simplement. Alors, on va commencer tout simplement par les poteaux. Ils sont juste là derrière moi, ils sont ici. Ce sont des poteaux que je fais débiter chez mon scieur en 50 par 50. En sachant que les poteaux finis font 40 par 40, ce qui me laisse un demi centimètre de chaque côté en marge de manœuvre pour tout ce qui est dégauchissage. Alors j'ai extrait de la réserve de bois 3 morceaux. En espérant que ces trois morceaux, je puisse sortir de quoi faire deux tabourets. Si déjà on y est, on est dans la fabrication, autant en faire tout de suite plusieurs. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Bon, comme vous voyez, hein, c'est bien gauche. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave, on arrivera à rattraper sans problème. Alors... Quand je range mon bois pour le stockage, ce que je fais, c'est que j'aime bien les laisser ensemble comme je les ai pris là-bas, vu que ça vient du même arbre. Sur l'épicéa, on peut avoir des différences de densité suivant le bois. Là, on a quand même quelque chose d'assez lourd. Les fibres sont assez serrées. Il n'a pas poussé aussi rapidement qu'un autre qui est plus blanc. Qui a poussé plus rapidement et donc qui va être plus léger. L'étape qui suit, c'est de dresser les quatre faces des poteaux à 90 degrés et surtout de les dégauchir. On va passer la machine en dégauchisseuse. Alors là, on va faire pas mal de copeaux. Donc on descend la table au maximum pour laisser la place aux copeaux, hein, tout simplement. Alors j'installe mon guide perpendiculaire et je vais vérifier qu'il est à 90 degrés. Il l'est. Ok, allez, c'est parti. Alors voilà, le façonnage des poteaux, des tabourets sont terminés. Je viens juste de finir. Donc, ce que j'ai fait, raboter, dégauchir quatre faces avec un bel angle à 90 degrés. Et on a une dimension de 40 par 40. Voilà, il y a 8 poteaux, ce qui nous permet de faire 2 tabourets. Maintenant, on va passer sur la scie circulaire sur table sur laquelle on va façonner les petits bandeaux, il y en a 8 par tabouret, donc on va en faire 16. Et on va également façonner ensemble le plateau supérieur qui fait 360 sur 360. On va faire 3 bandes de 120 mm sur une épaisseur de 20 mm et c'est également l'épaisseur des bandeaux. Allez, on se retrouve tout de suite sur la scie sur table.
faire les plateaux, je dispose de planches de scierie, hein, d'épicéa, en largeur 160 et 170 à peu près. Mes lamelles de 120 mm pour faire le plateau, ben, ça rentre largement dedans. La première, j'ai déjà préparé. Là, je peux en sortir 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 6, donc il faut encore en sortir 2. Donc ça fait 360, donc du coup je vais partir sur 380 pour avoir de la marge. Voilà. Donc du coup là j'ai mes 6 plateaux. Je vais couper ça, on va passer ça à la scie sur table. Et après ben, c'est les opérations de dégauchissage et rabotage. Thank you.
Voilà, le façonnage de l'intégralité des pièces de bois est fait, en partie gros œuvre, on va dire. On va faire un rapide inventaire. Alors, pour chaque tabouret, il nous faut 4 poteaux. Voilà, 4 poteaux en 40 par 40. 4 autres poteaux en 40 par 40, à savoir que la mise en longueur n'est pas encore faite. Ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, pour chaque tabouret, il y a 4 petits bandeaux en bas, 4 petits bandeaux en haut. Donc, on en a 4 ici, 4 ici. Ensuite, nous avons pour chaque tabouret 3 plateaux d'assises qui sont ici et 3 autres ici. Pour le deuxième tabouret, il y a également les petits bandeaux qui sont là, 4 en haut, 4 en bas. Alors, prochaine étape, mise à longueur des poteaux. Il faut usiner les mortaises. Pour les bandeaux, les 4 du bas, usinage des tenons, usinage des champs avec un chanfrein 45 degrés. Pour les bandeaux du haut, il y a une frise à découper, les tenons, chanfrein à 45 degrés, découpe à 45 degrés. Sur les quatre côtés, ça vous verrez un peu plus en image. Et au milieu, la découpe du cœur. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, alors on est arrivé à l'étape du traçage des frises. Donc, sur quatre bandeaux qui sont là, il va falloir tracer la frise. Et pour faire ça, eh ben, je me suis fait un gabarit. Donc, on a ici la frise comme je la voudrais. Et tout simplement, j'ai mis des piges avec des touris en bois. Ce qui permet, en fait, quand on a déterminé la surface avant, qui va donc être celle-là, je mets mon bois à l'intérieur. Donc, elle est embutée sur les quatre petits pions. Et donc, du coup, ici, je peux faire le tracé de ma frise et ainsi me permettre d'avoir pour l'intégralité de mes pièces exactement le même dessin. Et ce qui permet également de gagner du temps. Donc une fois qu'on a tracé, quand on enlève, voilà, on a la découpe de la frise qui est tracée sur le bout de bois. On va procéder ainsi pour l'intégralité des quatre faces. Alors bien évidemment, le gabarit doit être fait sur mesure. Celui-là, il ne pourra me servir que à faire ça. Le gabarit m'a pris environ un quart d'heure à le faire. Et ça va me faire gagner pas mal de temps sur le reste de la fabrication. Donc on choisit quelle face du coup va se retrouver à l'avant. Puis on intègre le bandeau à usiner dans le gabarit. Voilà. Et on trace. Alors, faut pas hésiter à se faire des gabarits pour les fabrications. Certes, ça prend du temps, mais ça fait gagner en qualité et en temps. Donc du coup, faut pas hésiter à faire des gabarits. Même si ça consomme un peu de bois et un peu de temps, le temps que vous passez à faire le gabarit, c'est du temps que vous allez économiser après sur le reste de la fabrication, mais également sur la qualité de ce que vous allez faire. Donc voilà. Les quatre bandeaux qui du coup eux se retrouvent, je vais vous les mettre bien comme ça, les quatre bandeaux qui se retrouvent sous l'assise, du coup ils sont tracés. Maintenant la prochaine étape c'est la découpe. Alors on va gagner du temps en collant les trois morceaux de l'assise. Tout simplement on va les coller maintenant et comme ça pendant qu'on va faire les autres opérations, ça a le temps de sécher. Tout simplement. Alors, j'ai déjà préparé les serre-joints dormants, tous les serre-joints qu'il faut. Et puis, on y va. Allez, c'est parti.